Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et animé par Waldata puis Agora ce soir. Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Romain et nous sommes en compagnie également de Mathieu Lebrun des publications Agora. Donc bonjour à tous, je suis le rédacteur en chef d'Agora Trading et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ma stratégie avec Romain en complément qui va lui vous faire un petit topo sur l'outil Wallmaster. Voilà, donc c'est l'objectif de ce webinaire qui va se dérouler en deux grosses parties. Une partie plutôt analyse avec votre analyste, bien qui va vous expliquer ses différentes stratégies. D'un côté, autour des squeezes de bandes de Bollinger pour les accélérations et les retournements de marché. Puis, pour ma part, je vous expliquerai un petit peu votre outil d'aide à la décision. D'ailleurs, c'est Mathieu utilise le Ouais, tout à logiciel fait, hein, ouais. développé Donc, par ouais. Waldata pour prendre ses décisions. Donc juste avant de passer la main à Mathieu, j'aimerais revenir sur l'histoire de Waldata rapidement pour que vous sachiez tous qui nous sommes. Waldata est vraiment précurseur de l'analyse technique en France. Depuis 1986, Waldata développe des outils d'aide à la décision, le Wallmaster XE, qui vous permet, que vous soyez vraiment débutant en bourse ou au contraire un boursier avisé, de mettre en place votre méthode de travail systématique, hein, et de disposer d'une arme efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités au bon moment. Donc, nous allons découvrir dans ce webinaire les fonctionnalités du Wallmaster et comment mettre en place la méthode de Mathieu Lebrun sur d'autres marchés ou d'autres unités de temps. Et je passe donc la main à Mathieu pour la première partie de ce webinaire. Donc bonjour à tous, merci Romain. Donc alors on remet tout ça au début. Voilà, donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter un petit peu ma stratégie de trading sur les marchés et donc là, avec l'application concrète et pratique sur Walldata évidemment. Donc voilà, donc en gros, moi, si vous voulez, sur les marchés, j'ai deux principes, deux grands axes qui guident mes prises de position. C'est la recherche d'un côté des zones d'accélération, de l'autre des zones de retournement. L'idée de ce webinaire, ça va être en fait de vous montrer dans quelle approche je me situe et voilà, et de cerner un petit peu dans chacun des cas quels sont les outils techniques qu'il faut utiliser et comment on peut anticiper les mouvements de marché. Donc comme je le dis là en sommaire, en gros, quand on est sur les marchés, pour gagner de l'argent, on a souvent deux types de stratégies. Il y en a une qui est en tendance, l'autre qui est en contre-tendance. Donc avec notamment Tom de Marc, que vous connaissez peut-être, qui conseille de nombreux investisseurs et qui a une stratégie donc basée un peu dans le même principe sur les points de retournement. Mais donc voilà, en ce qui me concerne, dans le contre-tendance, vous entendez souvent dire qu'il faut pas le faire, que c'est trop risqué, etc. Moi, je vous dis, on gagne de l'argent dans les deux cas. L'important, en fait, que vous soyez en tendance ou en contre-tendance, c'est d'avoir un money management serré et d'avoir des stops et de les respecter. Si vous suivez ces règles-là, les deux, vous allez voir, les deux types de stratégies peuvent vous rapporter de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est ce que je dis là juste après, c'est qu'elles s'imbriquent et qu'elles sont souvent complémentaires. C'est-à-dire qu'en termes de money management, l'une peut compenser l'autre et inversement. Alors, juste avant, excusez-moi, hein, Mathieu, profitez-en pour poser vos questions. Vous pouvez intervenir en direct pendant ce webinaire. Vous avez une fenêtre en haut de votre écran, normalement, qui s'appelle questions-réponses. Donc, profitez-en pour poser toutes vos questions. Nous allons essayer d'y répondre au maximum, évidemment. Donc, merci Romain. Voilà, donc on y va. Le sommaire, donc comment ça s'articule? Donc ce que je vous disais, deux grands axes, donc le principe des zones d'accélération avec donc le fonctionnement, des exemples de trades que j'ai réalisés dans Agora Trading et la partie un petit peu pédagogique et théorique sur l'importance des bandes de Bollinger, avec l'idée en fait de rechercher le squeeze, à se positionner lors d'un squeeze ou en amont d'un squeeze. Dans un deuxième temps, donc là, on va se focaliser sur le principe des zones de retournement, avec là aussi le principe de fonctionnement, le concept de base, des exemples concrets de trades réalisés donc dans mon service, toujours ces dernières semaines. Et voilà, et un petit point après théorique et plus pédagogique sur la notion de divergence sur indicateur.
Et puis on terminera sur voilà sur ce que je vais surveiller dans les jours ou semaines à venir. À la fois donc en termes de points d'accélération, l'or et le principe de retournement, le dollar-yen. Ça j'y reviendrai un petit peu. Et il y aura également un petit point spécial pour actualité oblige avec la, je pense que ça ne vous a pas échappé, la baisse du CAC là, avec des choses que voilà que je vais surveiller probablement demain ou lundi. Pour faire court, je pense que je vais chercher à acheter dès demain matin ou voilà demain avant l'emploi US ou pendant l'emploi US. Je pense qu'on arrive en zone d'achat, donc je vous en reparlerai après, mais en gros, on devrait avoir des opportunités. Alors, j'ai déjà pas mal de questions. Alors, pour répondre à Philippe, le webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez le voir, le revoir autant de fois que vous le voudrez sur le site de Waldata, notamment, à partir, nous sommes jeudi, à partir de demain après-midi. Vous pourrez le regarder donc tranquillement ce week-end, une seconde fois. Et pour répondre aux autres questions en ce qui concerne les diaporamas, je pense qu'évidemment, vous pouvez les avoir, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Après, C'est un plan. voilà. Après, dans tous les cas, ouais, vous pouvez le retrouver sur le site de Walldata dès demain après-midi, je pense, ou demain soir. Maintenant, après, si vous voulez le support, moi, vous pouvez nous envoyer un mail, donc que ce soit à Walldata ou aux publications Agora, en spécifiant votre demande, et moi, on me transférera la demande et je peux facilement vous transférer le document après directement par mail. Mais c'est le plan de ce webinaire, donc il n'y a pas trop d'intérêt de le posséder. Mais après, voilà, vous inquiétez pas, vous saurez où le trouver, ou vous aurez des nouvelles de notre part dans tous les cas, je pense. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ma première partie, le principe des zones d'accélération. Donc l'idée de base, c'est de parvenir à détecter en amont où sont placés les ordres stop. Alors l'idée, en fait, les ordres stop, c'est soit des achats stop en dépassement d'un niveau. Par exemple, on est à l'achat sur Total qui vaut 50 euros. On veut acheter à partir de 50,50 €. On va mettre un achat stop au-dessus de ce niveau. Une vente stop, c'est l'inverse. On veut vendre Total à partir du moment où la valeur baisse sous un niveau donné. L'idée, voilà, c'est de placer des ventes stop. Donc ça, c'est mon idée, moi, en fait. Pourquoi je vous parle des achats stop ou des ventes stop, c'est de détecter en fait quels sont les niveaux graphiques ou techniques qui sont importants sur les marchés. Donc par exemple, dans le cas du CAC là aujourd'hui, on avait la zone des 4 335 points. Donc vous avez sûrement vu qu'en rupture de ce niveau, on a eu une grosse baisse aujourd'hui. Ça, c'est exactement le principe où on avait beaucoup de stops qui étaient sous ce niveau, c'est-à-dire tous ceux qui achetaient depuis quasiment 7-8 jours avaient des stops dans cette zone-là, dans la zone des 30-35. Et donc, en gros, quand on est passé sous cette zone, on a eu un effet, ce que j'appelle effet boule de neige, il y a un effet accélération parce que tous les stops sautent et tout le monde veut soit vendre de manière stop leurs achats antérieurs ou se couvrir dans l'idée de jouer la baisse. Donc l'idée en fait, quand on est dans une stratégie d'accélération, en fait, c'est que on peut très vite en fait appliquer le principe du stop zéro. C'est-à-dire quand on prend un mouvement d'accélération, derrière quand on est dans le sens, quand ça part dans le sens attendu, j'ai envie de dire, on peut ramener le stop à zéro. C'est-à-dire quasiment plus être en risque sur la position. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui est important dans l'idée toujours de gérer intelligemment une position avec le fait qu'une position gagnante ne doit jamais devenir perdante. Donc ça, c'est pour la théorie. Dans la pratique, voilà, je vais vous présenter quelques exemples de trades que j'ai réalisés. Là, on me parle, je regarde, ouais, pas de réussite, je suis en train de lire en même temps, en simultané, sur les trades. Effectivement, alors là, j'ai quelqu'un qui me dit, ouais, j'avais un put sur Sanofi, effectivement, que j'ai revendu là dans la baisse avant de venir, que j'ai sorti quasiment flat. Alors effectivement, j'étais en perte de 20 ou 30% ce matin ou hier. Et au final, je sors flat et pour tout vous dire, je suis assez content de sortir flat. Ça fait partie, voilà, des positions, je pense, c'est ce que je disais dans Agora Trading aujourd'hui, c'est il y a des fois il faut tenir des positions et savoir les sortir intelligemment.
Donc c'est voilà, c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui dans le cas de Sanofi. Le 100% de réussite, évidemment, n'existe pas. Et je me permets, juste pour répondre à Bernard, pas de graphe, seulement le son. Les exemples de Mathieu Lebrun vont être très bientôt affichés à l'écran dans quelques minutes. Oui, tout à fait. Donc on va faire, il y aura à la fois le PowerPoint et donc l'application pratique sur le Wallmaster, voilà, pour illustrer tous mes propos. Donc là, on a un premier exemple, c'est Aperam le 6 février. Donc le 6 février, hop. Alors, donc, le 6 février, on prend le premier. Voilà. Donc, le 6 février, donc logiquement, le graphique doit s'afficher. On était exactement ici. Donc, l'idée, en fait, voilà, je vais repasser sur le PowerPoint, comme vous avez vu le graphique. Donc, l'idée, voilà, c'est qu'on avait, à mon avis, beaucoup d'ordres en attente des achats stop, en attente au-dessus de cette zone. Vous voyez les trois petites flèches rouges. Donc là, globalement, on a un titre qui consolide depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sous un gros niveau donné. Et en gros, le marché attend un signal. Et donc moi, je me suis dit, on était en fait la veille d'une publication de résultats. Donc ça, c'est souvent source de volatilité. Et donc voilà, donc moi, je me suis positionné à l'achat l'après-midi juste avant, donc la veille des résultats, dans l'idée que si on avait juste ne serait-ce qu'un léger push-up, c'est-à-dire une hausse de 2 ou 3%, on risquait d'avoir des achats stop qui allaient se déclencher avec donc du coup une continuation de la hausse. Donc c'est pour ça en fait que moi, je me suis placé à l'achat avec, c'est ce que je précise, l'effet boule de neige que je recherche, qui suit quand on franchit un important niveau. Et donc là, derrière, en fait, ça n'a pas manqué. C'est si... Alors, on ne l'a pas affiché. Juste pour que ce soit bien clair, je vais juste reprendre la souris, Mathieu, pour expliquer à tout le monde. Hein. Là, vous avez deux graphiques à l'écran. Volontairement, le graphique de gauche, en fait, a été arrêté au 6 février pour mettre tout le monde dans les conditions... du 6 février, comme si nous étions le 6 février, pour expliquer les propos de Mathieu. Et le graphique de droite, c'est le graphique à aujourd'hui, donc pour qu'on puisse voir effectivement si votre analyste a eu raison de prendre position ou pas. Donc vraiment, pour que ce soit clair pour vous, ce graphique-là s'est arrêté au 6 février, vous voyez, vous pouvez le voir avec cette bougie, et donc on a exprès effacé le reste pour se mettre en condition, et le graphique d'après, c'est le graphique à aujourd'hui. Je tenais quand même à éclaircir tout cela. Exactement, et donc vous voyez en fait l'idée, c'est ce que vous voyez là sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc le lendemain, en fait, on a eu un titre qui a bondi de 10-15% dès le lendemain avec un important gap directement en franchissement de ce niveau. C'est-à-dire qu'en fait, si on attendait le franchissement, c'est-à-dire le squeeze des bandes de Bollinger, parce que là, le principe aussi, c'est qu'on avait, quand on a des phases de compression comme ça qui durent pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, on a un fort resserrement des bandes de Bollinger. C'est-à-dire les bandes de Bollinger sont très resserrées, c'est un indicateur de volatilité. Et donc quand on a un squeeze, quand ça commence à taper à la hausse, généralement, ça y va de manière assez impulsive. Et là, vous voyez, en fait, sur juste le lendemain, en fait, on avait eu une séance de 10-15%. Donc là, à l'époque, je crois qu'on avait pris un levier 5 ou 6, quelque chose comme ça. On avait dû empocher très rapidement un gain de 60% en une journée. Donc c'est vraiment le genre de breakout de squeeze que moi, je recherche. Donc deuxièmement, toujours sur Aperam, là, c'est un trade que j'ai réalisé vendredi dernier. Donc là, deuxième cas. On était ici exactement, donc sur le 26 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc une valeur qui commençait déjà à faiblir, à revenir. Là, vous ne le voyez pas, mais sur le graphique hebdomadaire, en fait, cette baisse de trois bougies rouges ici avait donné une belle mèche haute d'essoufflement sur un graphique hebdomadaire. Donc déjà ça, en base hebdomadaire, ça nous indiquait qu'il y avait quand même un essoufflement des acheteurs sur les nouveaux sommets. Et là, depuis 4-5 séances, on avait eu une légère reprise en drapeau ascendant. Alors moi, en fait, je m'étais positionné à la baisse dans l'idée, voilà, d'une accélération. Pourquoi une accélération? On avait à la fois le contact avec le bas donc du petit drapeau de compression de court terme, et également le bas du gros canal donc journalier, cette fois de moyen terme, on va dire, qui était autour des 25,50-60 €. Et donc moi, j'avais dans l'idée que si on baissait sous les 25,50-60 €, que la baisse allait s'accélérer. Donc ça, là, comme vous le voyez, hop,
Donc voilà, je remets juste, effectivement. Donc là, on avait également, ce qui était intéressant, c'est qu'en daily, on avait un resserrement des bandes de Bollinger depuis, avec une phase de temporisation, consolidation depuis 2-3 séances, enfin même 4 ou 5. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est quand on se positionne, donc après, il faut avoir évidemment raison dans le sens, mais quand on se positionne sur des bandes de Bollinger serrées, c'est que le mouvement qui suit, il est généralement assez impulsif. Alors après, certains vont me dire... si vous me suivez dans Agora Trading, non, j'ai pas pris toute la baisse. Le problème est que mardi, on a eu un CAC qui a rebondi. Et en toute honnêteté, je pensais alors, j'ai envisagé des achats. Donc, je ne pensais pas que le marché rechuterait autant. Enfin, du moins, j'ai eu un doute mardi. Donc, je n'ai pas pris l'intégralité de tout ce mouvement. Maintenant, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit que le titre avait déjà commencé déjà à baisser alors que le CAC était quand même resté hésitant, voire tiré à la hausse. Donc, effectivement, là, quand derrière, on a un marché qui replonge depuis la fin de semaine, bah, effectivement, le titre accélère bien à la baisse. Mais ce qui était intéressant, c'était vraiment d'avoir ce point d'accélération dans les 25, 50, 60. C'est-à-dire que moi, dès le lundi, en fait, où le titre commençait à perdre 1 ou 2%, même si le CAC était remonté, moi, je savais déjà que j'allais pas être en perte. C'est-à-dire que c'est... je pense que quand on prend une position sur le marché et qu'on sait en amont qu'on va pas être en perte, c'est que du bonus. Donc après, voilà, effectivement, derrière, la question pour avoir l'intégralité du mouvement, si j'avais été convaincu que le CAC allait baisser, j'aurais sûrement tenu la position. Maintenant, depuis mardi, le rebond en fait qu'on a eu mardi, j'ai eu des doutes. Et donc, voilà, j'ai préféré prendre une partie de mes gains en amont plutôt que de, voilà, qu'on ait un des rachats et que notre gain soit réduit. Troisième exemple, un achat sur Danone, donc en mars. Là, j'ai gardé cet exemple parce que la configuration était assez belle. Donc le 21 mars, donc on s'est positionné à l'achat exactement donc ici sur le curseur de ma souris. Mon idée, c'était quoi? C'est que on avait alors à l'époque un CAC qui restait faible et pourtant Danone commençait à montrer des signes de force. Si vous regardez cette zone là. On avait 2-3 bougies vertes en amont, alors que le CAC, lui, était assez hésitant. Donc là, moi, ça m'indiquait déjà que la force relative à court terme de Danone redevenait favorable. C'est-à-dire qu'elle commençait à moins baisser que le marché. Un peu comme dans le cas inverse d'Aperam, où quand on était là sur Aperam, la valeur remontait un peu moins que le CAC. Donc là... c'était un peu le même principe en sens inverse où je me suis dit si ça commence à moins vendre quand le CAC baisse, c'est qu'il va y avoir des intérêts acheteurs au-dessus. Et alors, ce qui était intéressant également ici, c'est que vous voyez, on avait une importante oblique de moyen terme qui coiffait les cours. Donc là, en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est de repérer des niveaux ou des zones que tout le monde regarde et que tout le monde a. C'est-à-dire de savoir ce que tous les traders, tous les institutionnels, tous les gérants et toutes les sociétés ont en tête quels sont les niveaux et où ils placent leurs ordres. Et ça, en fait, quand vous arrivez à le détecter et à vous positionner un petit peu en amont, parce que moi, c'est toujours ce que j'essaye de faire, comme dans le cas où quand je suis sorti aujourd'hui sur Sanofi, c'est pas vous l'idée, vu que mes alertes sont en mail, c'est pas l'idée de vous envoyer un mail à 15h en vous disant on prend un put sur Sanofi. Non, l'idée, c'est justement de chercher le genre de baisse qu'on a aujourd'hui pour vous dire de sortir du dernier put. Et donc, dans la même idée inverse, là, dans le cas de Danone, je crois qu'on était sorti dans le haut de l'accélération, c'est-à-dire qu'en 2-3 séances, on avait un titre qui avait pris 5-6%, on avait dû avoir un produit à levier 5 de mémoire, un truc comme ça, et on avait rapidement pris un petit gain de 30% en 2-3 jours. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qui était intéressant là aussi, c'est quand, vous voyez, quand on a commencé à accélérer, on franchissait alors les 50,25€, 50,30€. Là, moi, je savais déjà, j'avais initialement un stop sur les plus bas, je savais déjà qu'en gagnant 1 ou 2%, globalement, j'étais plus en risque parce que si jamais ça confirmait pas, si jamais le titre tenait sa résistance, j'allais sortir sans insister. Donc ça, c'est vraiment un élément intéressant à suivre pour maximiser vos chances de gain. Pour vous parler d'une valeur là que j'ai recommandée pas plus tard qu'hier, c'était Delta Drone. Je ne sais pas si vous connaissez, alors là, on est dans les small cap et donc beaucoup plus volatile, mais c'était un peu le même principe. C'est qu'en gros, quand vous regardez votre graphique, alors je vais essayer, voilà, on va dézoomer. Enfin, en gros, on a une grosse tendance baissière et on a
Et on a un titre qui commence à s'essouffler dans la baisse. Donc, en termes de fondamental, on a une augmentation de capital, etc. Donc, je vous passe le détail. Mais bon, c'est vraiment une société très, très risquée. Mais dans ce genre de dossier, quand on a des squeezes, quand on a un gros intérêt vendeur en amont et qu'on a des rachats, c'est souvent des séances, vous voyez, comme dans cette phase-là, où ça peut vite s'emballer de 40 ou 50%. Donc moi, en fait, en toute honnêteté, je l'ai recommandé hier matin et je pensais, en fait, alors qu'il y avait un risque de squeeze avec un niveau d'accélération dans les 1,70, 1,73 euros. Malheureusement, ce niveau n'a pas été dépassé, donc le squeeze n'a pas fonctionné. Donc derrière, moi, je suis ressorti, j'ai fait une petite perte de 3-4%, mais en gros, je pense vraiment que le jeu en valait la chandelle. C'est-à-dire l'idée, quand ça accélère, il y avait sûrement entre 20 et 30% à prendre si les 70-75 avaient cédé. À l'inverse, si ça y va pas, et ben on ressort, on n'insiste pas. Je suis sorti avant la clôture. Mais c'est d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est un des titres que je garde à l'œil parce que vous voyez ce fort resserrement des bandes de Bollinger. Alors c'est évidemment, il faut pas se précipiter parce que c'est vu qu'on a un fort resserrement des bandes de Bollinger, ça peut très bien sortir à la baisse avec une poussée, pourquoi pas vers les 1 euro. Maintenant, moi, je surveille. C'est un titre que je surveille avec, si on revient dans les 70-75, enfin, vous penserez à moi à l'époque, mais si ça doit se reproduire et retirer vers cette zone-là, je pense que ce sera de nouveau une recommandation. Alors, on va passer maintenant, donc voilà, dans le cas de Danone, on avait toujours le même principe, c'est ce principe des bandes, des resserrements de bandes de Bollinger, avec un dernier exemple, là c'était Valneva. Donc là, on était au début du mois de septembre, le 4, je l'ai recommandé en fait le jour de l'accélération exactement. Mon idée, c'est quoi? C'est un peu dans le même principe que Danone. Vous voyez, on a une grosse tendance baissière avec un point de contact de l'oblique qui passe autour des 5 euros. Et donc là, on a une petite phase de consolidation depuis 4-5 séances et on sent que ça commence à moins baisser, que ça reprend un petit peu de force. Donc là, moi, mon idée, c'est que voilà, c'est quand on allait redépasser les 5-10, ça allait sûrement faire une bougie de ce qui s'est passé, puisqu'on est sorti à 5,60, je crois, de mémoire. Alors, on n'est pas sorti au plus haut. J'ai sûrement des abonnés qui ont pu sortir au plus haut. Je crois que c'était le lundi matin à l'ouverture. Moi, j'avais pris que la bougie du vendredi, c'est-à-dire quand même une séance de 12%, je pense, d'amplitude en intraday. C'était quand même assez intéressant. Ça, acheté le matin à 9h05, comme dans l'idée de Delta Drone hier. Acheté à 9h05, revendu à 17h. Voilà, on prend 10-12%. C'est assez rapide et assez intéressant. Donc voilà pour le principe des bandes de Bollinger. Donc l'idée, c'est voilà, c'est d'essayer de prévoir ou d'anticiper les accélérations de volatilité. Et pour ça, c'est le principe des bandes de Bollinger, du resserrement des bandes de Bollinger qui donne vraiment de très bons résultats. Ça, je peux vous le garantir. Et voilà, le principe du bandwidth qui est un dérivé des bandes de Bollinger. Donc là, je vais repasser la main 5-10 minutes à Romain pour un petit point pédagogique sur cet indicateur et comment le retrouver un peu plus en détail dans votre Wall Master. Voilà, je vous dis à tout de suite. Merci Mathieu. Alors, excusez-moi, c'est mieux. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de réactions déjà, donc on va essayer de toutes les trader. Je vois déjà un utilisateur demande si tu fais attention aux informations économiques, pour si tu intègres l'analyse fondamentale dans ton alors, analyse. Alors déjà, ouais, je merci pour ceux qui postent, les 30% sur Danone, les 10 sur Valneva. Ah oui, donc Pierre-Emmanuel, oui, à qui j'ai répondu, je crois, hier ou avant-hier en mail, donc bonjour à vous. Alors, comment je détecte ces opportunités? Moi j'ai un filtre en fait qui me sort tous les soirs le nombre de valeurs. En fait, c'est avec le Wallmaster, c'est ça, vous pouvez le retrouver, c'est que vous pouvez faire un filtre sur le niveau de resserrement. Donc ça, je pense que Romain va vous le présenter juste après, mais le niveau de resserrement des bandes de Bollinger, et vous pouvez avoir, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai, vous pouvez avoir une dizaine de valeurs comme ça qui sont sous surveillance. Et dans le cas par exemple de Delta Drone, vous savez que
si ça commence à tirer un peu à la hausse, bah c'est là qu'il faut tenter de jouer le squeeze. Donc il y a des fois comme Delta Drone, ça y va pas. Par contre, quand ça y va dans le cas de Valneva, pour tout vous dire, je pense que Delta Drone, ce squeeze, il va finir par arriver. C'est pas arrivé hier, mais donc là hier j'ai pris une petite perte de 4-5%. Le jour où ça va y aller, je peux vous assurer qu'on récupérera largement les quelques euros qu'on a lâchés. Par rapport à, c'était quoi ta question, Romain? Ouais, fondamental. Oui, faut qu'on avance. Mais oui, évidemment, oui. J'ai, en fait, pour tout vous dire, donc moi j'ai une expérience d'analyse donc financière en amont. Je suis passé dans diverses banques, enfin 2-3, donc Fortis et Natixis notamment, pour après dériver sur l'analyse technique et le côté salle de marché, dans diverses expériences. Mais donc oui, évidemment, j'ai un point de vue fondamental sur les choses. Mais après, ce qui est intéressant dans mon approche, c'est le principe de squeeze, en fait. C'est que ça va, en fait, ça marche souvent. C'est comme, en fait, quand vous êtes sur les marchés, quand on dit que les marchés baissent plus vite qu'ils ne montent, c'est pour ça qu'on a peut-être plus intérêt à chercher à shorter, parce que quand ça baisse, en fait, ça baisse souvent plus vite par le principe des ventes stop, que quand ça monte, c'est souvent plus poussif. Et dans le cas, en fait, de valeurs peut-être plus spéculatives comme Valneva ou Delta Drone, tout le monde est vendeur, enfin on a des institutionnels qui sont vendeurs, et l'idée c'est de jouer le squeeze, les rachats de short, et ça, en fait, on l'a pas sur des valeurs beaucoup moins sur des big cap. Donc c'est vraiment l'intérêt aussi de se focaliser certaines fois, ou comme dans le cas d'Aperam, quand ça accélère, on est sur des valeurs moyennes voire petites, et donc quand ça y va, généralement c'est beaucoup plus impulsif que sur des big cap. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions là, je vais laisser Romain reprendre la main. Oui, on va partir sur la partie Wallmaster. Donc pour répondre à certaines questions, l'idée effectivement c'est d'associer d'un côté les conseils de votre analyste qui effectivement vous apporte une vision peut-être plus claire pour vous, ou en tout cas son analyse discrétionnaire ainsi que ses analyses économiques pour vous donner des conseils, et de l'associer à votre Wallmaster XE pour d'un côté comprendre les conseils qui vous sont donnés par Mathieu Lebrun, avoir la même chose à l'écran. C'est important aussi d'investir sur des valeurs en ayant les mêmes graphiques que votre analyste sur votre ordinateur, mais aussi pouvoir reproduire sa méthode sur d'autres marchés, sur d'autres unités de temps, mais aussi et en plus pouvoir vous créer votre propre méthode. Donc c'est pour ça que Walldata développe maintenant depuis presque 30 ans des outils d'aide à la décision. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le logiciel que vous pouvez voir à l'écran s'appelle Wallmaster XE, et donc il vous permet de mettre en place votre méthode systématique et donc de pouvoir sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer de façon autonome. Il y a peu aujourd'hui, j'imagine, d'analystes techniques parmi les participants à ce webinaire. Donc, nous vous encourageons effectivement à suivre des conseils, c'est très bien. Mais en ayant la même chose à l'écran, vous allez comprendre pourquoi il faut agir sur ces valeurs et être capable de reproduire la méthode sur d'autres marchés. Donc, pour décrypter un petit peu les choses à l'écran, sur la partie de gauche, nous avons ici ce que l'on appelle les market analyzers, qui sont des scanners ultra puissants développés par Walldata, qui permet de scanner le marché de son choix, de mettre ses propres conditions et d'avoir le Wallmaster qui dégage pour vous les valeurs qui répondent à ces conditions techniques. Et aussi un écran évidemment graphique sur la partie de droite avec des assistants visuels qui viennent vous traduire un peu les signaux. Bon, je reviens à nos moutons. Comme on dit, on parlait donc des bandes de Bollinger. Donc c'est ce que l'on a demandé à notre Wallmaster XE. Vous voyez, le Market Analyzer analyse le CAC 40 sur une période journalière, et nous avons demandé au Wallmaster, avec un outil qui fait partie intégrante du Wallmaster XE de base, puisque vous découvrirez à la fin de ce webinaire les autres modules additionnels au Wallmaster, nous avons demandé au logiciel de mettre en avant les valeurs qui comportent justement un squeeze de la bande de Bollinger. On a un exemple sur EDF, sur Airbus,
sur GDF. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, évidemment, mais pour rappeler rapidement pour les néophytes ce qu'est un squeeze de la bande de Bollinger, Mathieu, tu m'arrêtes si je me trompe. La bande de Bollinger, c'est donc cette bande qui entoure les prix, qui mesure la volatilité du titre en question. Et le squeeze, c'est un signal fort qui est le resserrement, c'est bien ça, de la bande de Bollinger. Ouais. Donc avec votre Wallmaster XE, vous allez pouvoir effectivement scanner le marché de votre choix et demander à mettre en avant les valeurs qui comportent un squeeze de la bande de Bollinger. Et en plus, être alerté systématiquement lorsque l'une des valeurs va sortir de la bande de Bollinger par le haut ou par le bas. Vous voyez, il y a plusieurs colonnes dans votre Market Analyzer. Je vais juste bien montrer avec les petites flèches pour que ce soit clair pour tout le monde. Vous avez une première colonne, évidemment, sur le nom des valeurs. Une autre avec BBW Squeeze. Donc, voilà, là, sur 40 valeurs du CAC, on en a 7 qui ressortent, qui comportent un squeeze. La bande de Bollinger inférieure sur la colonne numéro 3 et la bande de Bollinger supérieure. Donc, vous allez même pouvoir travailler en multicritères. Donc, par exemple, demander à ce que le Wallmaster dégage pour vous eh bien, les valeurs qui effectivement comportent un squeeze de la bande de Bollinger et qui en plus sortent par le bas de la bande. Et voilà, là vous avez tout de suite un tri qui est fait sur le marché et trois valeurs qui ressortent. Donc c'est ça l'idée, c'est de pouvoir effectivement vous aussi avoir à la maison la possibilité de mettre en place la méthode de votre analyste ou votre méthode à travers des outils qui ont été développés vraiment pour les particuliers. Donc ils sont d'une facilité extrême. Et on a par exemple la bande de Bollinger, le pic de volatilité, qui est un autre outil. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est pour vous dire que la plupart des indicateurs sont disponibles à travers votre Wallmaster XE. Donc c'est très simple, trois clics de souris, vous choisissez vos conditions et votre outil dégage systématiquement les valeurs qui correspondent à vos conditions. Voilà pour la partie Wallmaster XE. Je vais repasser la main à Mathieu et j'interviendrai à la fin de ce webinaire pour vous montrer d'autres choses sur votre outil. Donc, merci Romain. Donc, dans l'intervalle, là, j'ai regardé rapidement une ou deux questions. Effectivement, là, sur la question des CFD, des produits utilisables en effet de levier, oui, tout à fait. En fait, moi, dans Agora Trading, donc, je recommande principalement des turbos. Il y a également une option qui s'appelle 100% CAC dans laquelle je fais des CFD. Donc oui, en fait, tout ça s'applique dans le cas, par exemple, de Danone, on a pris un call dans le cas d'Aperam, on a pris un turbo put. Donc en fait, dans mon service, on fait un mix entre le cash action quand on a des squeeze à jouer sur des mid cap ou sur des small cap sur lesquels il n'y a pas forcément d'offres en termes de produits dérivés et le côté big cap ou valeur plus liquide où là on intervient sur comme je vous disais sur Sanofi, j'avais un put et donc voilà. Donc on va maintenant passer au deuxième temps de la présentation avec le principe des zones de retournement. Donc là, l'idée, c'est quoi? En fait, donc, c'est de chercher à trouver des zones de prix où les cours sont susceptibles de se retourner. Donc là, autant sur le côté squeeze, on était plus souvent dans une approche tendance, voire pas de contre-tendance, mais de début de retournement. Là, c'est vraiment, on est vraiment dans le retournement pur, c'est-à-dire l'idée de pas d'attraper un couteau qui tombe ou de vendre un marché qui monte en ligne droite, mais vraiment d'essayer de shorter quand on sent que ça s'essouffle et qu'il y a un très bon en fait risque-reward. Ce qui est intéressant en fait, c'est que vous avez quand je prends cette position, des positions dans cette approche-là, c'est qu'on a souvent un très bon risque-reward compris entre 2 et 3 au moins, voire plus. Donc vous allez le voir avec les exemples. L'idée en gros c'est quoi? C'est quand ça se retourne, quand je décide de vendre à découvert ou de prendre un put sur une action qui est en train de monter, qui s'essouffle, c'est soit ça se retourne comme je le dis souvent, soit ça se retourne très rapidement, donc dans la journée ou dans les deux jours qui viennent, soit c'est que l'idée n'est pas bonne. Donc ça vous permet en fait, dans le même principe que de l'accélération, de faire du stop zéro rapidement. C'est-à-dire quand on rentre en position, quand l'action commence à se retourner, à s'essouffler, perdre 1 ou 2%, là, d'entrée, moi, je sais que dans le pire des cas, si ça revient à l'équilibre, je sortirai flat. Donc ça permet en fait d'avoir un money management très, très intéressant avec le principe du stop loss, évidemment, à toujours tenir.
Donc voilà, je vais détailler un petit peu maintenant quelques exemples. On va pas trop s'attarder parce que c'est vrai qu'on a pas mal de choses à vous dire donc avec Romain. Donc on va voir, le temps passe vite. On va voir voilà, les exemples rapidement. Dans le cas, donc là, une zone de retournement, c'était le 16 septembre dernier. Donc là, en fait, on était sur Saint-Gobain. On était ici, on venait de 8 séances de baisse. On avait un CAC qui était autour des 4004. On avait donc des divergences. Alors là, en fait, c'est plus dans une optique intraday que la notion de divergence serait vraiment explicable. Mais pour vous schématiser la chose, on avait un CAC autour des 4004 et je pensais alors pas que le CAC casserait direct les 4004. On avait une action, donc Saint-Gobain, qui enchaînait 8 séances de baisse, qui revenait en zone de support et qui en intraday affichait des divergences haussières. Tout comme le CAC d'ailleurs à l'époque, quand on était, pour ceux qui s'en souviennent, légèrement repassé sous les 4004. Donc moi, j'avais dans l'idée qu'on allait avoir une reprise. Donc c'est pour ça que j'ai recommandé d'acheter. Et derrière, ça s'est assez bien passé vu qu'on a bien eu une phase de rebond qui a suivi dans les 2-3 séances derrière. Deuxièmement, la vente d'Essilor. Donc là, hop, on est ici. Donc j'ai recommandé de la vendre. Ben, on était exactement sur la petite flèche rouge. Alors, dans le cas d'Essilor, oui, effectivement, on avait vraiment vendu le top. Malheureusement, ce qui s'est passé, donc je vais vous préciser un petit peu le principe. L'idée, c'était quoi? Vous voyez, on avait une action qui montait depuis, on était à 6-7 semaines de hausse. On avait des indicateurs qui s'essoufflaient, mais qui divergeaient pas encore. La divergence, elle est apparue exactement le jour où j'ai vendu, bizarrement. C'est qu'on a eu... Voilà, un titre qui faisait des nouveaux sommets avec un indicateur qui était capé à la hausse, qui faisait plus de nouveaux plus hauts. Donc là, moi, j'étais en alerte, je me disais, ça, le gros de la hausse est sûrement derrière nous et on risque d'avoir une phase de baisse. Vous voyez, en plus, sur la séance en question, je crois qu'on l'avait bien pris, c'est qu'on était à 87, 80, quelque chose comme ça. Ça s'est essoufflé avec une petite mèche basse. Donc une mèche, c'est voilà, une ombre, c'est-à-dire une clôture journalière qui se fait au milieu de la bougie du jour. Donc ça, c'est souvent de bon augure. Surtout que le lendemain, on a eu dès le lendemain, donc c'était là où le CAC, pour ceux qui s'en souviennent, le CAC passait sous les 4004. Donc là, le titre commençait à refluer. Donc là, je me disais, c'est assez intéressant. Alors le problème, c'est que, pour tout vous dire, j'ai été piégé sur la séance du mercredi, où là, le titre est revenu faire exactement les plus hauts au centime près. Et là, moi, donc j'ai respecté mes règles. J'étais en gain de 10%. C'est revenu à l'équilibre. Et je suis sorti flat. Alors malheureusement, derrière, c'est vrai que c'était un peu rageant parce qu'effectivement, derrière, même si le CAC lui est resté dans son range autour des 4350-4400, par contre Essilor a bien suivi le mouvement que j'avais en tête initialement. Donc ce qu'on peut regretter sur ce trade, effectivement, c'est la reprise du mercredi qui est revenu chercher notre stop dans le principe du stop zéro, mais voilà, l'idée était ici pertinente avec le côté donc voilà, divergence sur indicateur. Dernier exemple rapide, donc le sur Veolia. Donc là, on était juste avant l'été, on était le 25 juin. Donc j'invente rien. La recommandation, donc, attendez, c'était quoi? C'était le 25 juin exactement. Donc 25 juin exactement, c'était ici. Donc là, on a eu une bougie, un beau doji avec une petite mèche sous une importante résistance. Donc vous voyez avec les petites flèches rouges, un indicateur qui diverge, c'est-à-dire le titre fait des nouveaux plus hauts, mais l'indicateur lui bute et n'y va plus comme on dit. Donc là c'est souvent signe que le marché est en train de s'essouffler ou que le titre s'essouffle et qu'on va avoir un retournement. Donc là moi j'ai recommandé de la vente. Donc le 25 exactement ici, j'avais mon stop initial au-dessus de la mèche. Et derrière, là, pour le coup, ça y a été directement. Donc, il n'y a pas, contrairement à Essilor, il n'y a pas eu de faux retour ou de stop zéro déclenché. Donc là, la baisse était mise en place. Alors après, comme toujours, en termes de money management, j'avais dû sortir, je pense, peut-être un peu tôt, probablement ici, je crois, de mémoire. Maintenant, voilà, c'est en fonction des anticipations d'alors du CAC. Comme toujours, si effectivement on prenait tous les mouvements, ce serait fantastique. Malheureusement, en bourse, vous le savez sûrement, on n'achète jamais...
le plus bas et on ne vend jamais au plus haut. L'important, en fait, ce qui est toujours dans le même principe, c'est que rapidement, dans le lendemain ou l'après, le surlendemain, je savais déjà que j'étais plus en risque. Je savais que si ça devait repartir à la hausse, je sortirais flat dans le pire des cas. Donc ça, c'est voilà, c'est quand même la question de savoir quand est-ce qu'on va prendre ses gains et être assuré que ce soit un gain, sauf évidemment gap important ou annonce improbable. Mais quand on enlève ce cas-là, on est très très bien positionné. Donc c'est toujours moi ce que je recherche quand je rentre sur des positions de d'optimiser le risk reward. C'est-à-dire que là, vous savez, bon, à l'époque on avait un risque de 1 ou 2% et je savais que si ça y allait, on n'allait pas prendre 1 ou 2%, qu'il y avait au moins le double voire plus à prendre. Donc c'est exactement ce qui s'était passé. Donc dans la pratique, de manière plutôt plus théorique, là on est dans une approche contrarienne, donc l'idée c'est toujours, alors c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas de panacée, c'est-à-dire qu'il y a des fois, moi j'en vois tous les jours, des divergences qui ne marchent pas, donc l'idée c'est en fait de faire un mix de tous les indicateurs, c'est-à-dire à la fois d'utiliser les bougies, les mèches d'essoufflement, de coupler ça avec les indicateurs que vous avez de vitesse, donc type RSI comme Romain va vous le présenter juste après, mais de faire un mix en fait entre la lecture que vous avez évidemment du marché en général et du CAC en particulier quand vous traitez sur des big cap ou des valeurs du CAC, et quand vous couplez tout ça, donc l'analyse chartiste avec les indicateurs, et ben vous augmentez en fait votre probabilité d'avoir raison. Donc on n'est jamais sûr de rien en bourse. Par contre, quand vous avez 70 ou 75% de chances d'avoir raison, bah c'est là, c'est comme en fait, c'est comme au poker. Enfin, bon, pour ceux qui jouent, vous voyez de quoi je parle, mais moi, en fait, je joue un peu au poker. Et alors, certains vont me dire le rapport avec la bourse est des fois tiré par les cheveux. Maintenant, moi, j'aime bien en fait faire le parallèle avec le principe du faut pas jouer n'importe quoi. Si vous jouez au poker, il faut pas jouer toutes vos mains. Si vous jouez toutes vos mains, vous allez être plumé au bout de 5 tours. Par contre, si vous jouez intelligemment vos mains et que vous misez quand il faut miser, vous allez vous enrichir et vous allez gagner. Ben, en bourse, c'est un peu pareil. L'idée, c'est d'y aller quand les probabilités de réussite sont les plus élevées. C'est peut-être bête à dire, mais si vous l'appliquez de manière objective et avec une certaine méthode, ben, vous verrez que vous allez avoir peut-être tort une fois, deux fois. Par contre, le coup, vous allez avoir raison, ça va payer le reste. Donc c'est exactement ce que moi je cherche. Donc voilà, pour le côté un petit peu théorique, je vais repasser la main à Romain 5 minutes avant d'en venir sur le côté la plus prospectif pour le coup avec ce que je surveille. Et voilà, 2-3 remarques en plus sur la situation du CAC là en ce moment. Donc je pense que ce sera assez intéressant juste après. Donc voilà, à tout de suite. Merci Mathieu. Donc nous allons voir ensemble comment dans votre Wallmaster XE, vous pouvez vous aussi travailler les retournements. Alors d'abord, sur une première fonctionnalité de votre Wallmaster, c'est un espace de travail qui existe dans le Wallmaster XE de base qui s'appelle recherche de retournement. Parce que nous ne sommes donc pas tous analystes techniques. Et votre Wallmaster va scanner encore une fois le marché de votre choix. Ce qu'il faut regarder là à l'écran, c'est le Market Analyzer, le scanner que nous avons à gauche de notre écran et qui vous affiche très clairement. Et je vais reprendre mes petites flèches pour que ce soit bien évident pour tout le monde. La tendance majeure, l'analyse des indicateurs qui est faite pour vous. Donc vous voyez que cette fonctionnalité analyse le RSI, le stochastique, des moyennes mobiles, le MACD et le DMI, donc plusieurs indicateurs à votre place, et vous affiche dans la dernière colonne quelle est la probabilité de retournement de votre valeur. Donc comme ça, d'un coup d'œil, vous pouvez tout de suite identifier les probabilités de retournement sur le marché de votre choix. Là, ce que l'on voit très clairement, donc vous voyez que nous sommes sur le CAC 40, hein, c'est écrit ici. Et bien, si on prend le titre Safran, par exemple, et bien, la tendance est haussière depuis un moment, la tendance majeure est haussière, mais la valeur présente une probabilité de retournement de 8 sur 10. Quand vous passez votre souris sur le signal, il est expliqué, là, voilà, 8 sur 10, la tendance haussière est fortement compromise. Donc, l'idée pour vous, c'est de pouvoir trouver des points d'entrée, des points de sortie grâce à cette fonctionnalité. D'un côté, eh bien, en mettant en avant grâce au filtre eh bien, toutes les valeurs qui sont en tendance baissière et qui présentent une très forte probabilité de retournement à la hausse.
pour être tout au début de la nouvelle vague, et à l'inverse, pouvoir scanner votre portefeuille, parce que dans votre outil, vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez, donc une liste qui correspond à votre PEA ou à votre compte-titres, et de demander, j'ai envie de savoir sur le CAC, quelles sont les valeurs qui présentent un retournement important. Donc je vous montre par exemple le filtre. Vous voyez, je décoche « Afficher toutes les valeurs de la liste » et je demande uniquement les valeurs qui présentent un retournement de 8 sur 10. Et mon marché va être filtré. Et là, tout de suite, je vois que sur ces 6 valeurs, il y a un risque de retournement important. Si je suis en position sur Safran ou Crédit Agricole, il serait peut-être temps de quitter le navire. Donc ça, c'est très pratique pour tout niveau vraiment en analyse technique. Vous allez pouvoir tout de suite confirmer les choses et aussi appliquer cette méthode sur d'autres marchés. Et il y a une deuxième fonctionnalité qui, pour le coup, là, est un AT expert, donc qui est une méthode additionnelle à votre Wallmaster. C'est la méthode Divergence Pro, qui va donc détecter automatiquement les divergences haussières et baissières sur plusieurs indicateurs en même temps. Là, on le voit, une divergence baissière a été détectée également sur Essilor. Elle a été détectée le 24 septembre sur le RSI, le stochastique, le momentum et le WTI, et qui en plus, pour que les choses soient bien comprises de votre côté, vous affiche la divergence sur le cours et sur les indicateurs concernés, vous note l'objectif potentiel qui sera tracé automatiquement sur votre graphique et vous propose un stop glissant. Donc là, vous avez évidemment une stratégie prête à l'emploi. Et effectivement, pour réagir à Philippe pour la remarque juste avant, pour recherche de retournement, il faut quitter le navire si vous êtes à l'achat. À l'inverse, si vous êtes vendeur à découvert, vaut mieux rester en position. Donc votre AT Expert Divergence Pro, on va prendre des divergences qui ont été détectées, qui ont très bien fonctionné. Vous voyez, Michelin, par exemple, l'objectif de cours a été atteint. Divergence qui a été détectée le 4 septembre par votre Wallmaster. Donc divergence sur le momentum. On voit un trend haussier ici sur le cours et sur le momentum qui ne fait plus de nouveau plus haut. Donc divergence détectée à ce moment-là. Objectif qui a largement été dépassé. Et vous pouvez même associer les deux, divergence pro avec probabilité de retournement. Au lieu de couper votre position à l'objectif, restez en position jusqu'à ce que la valeur propose un retournement possible d'au moins 5 ou 6 sur 10. On peut regarder des divergences en cours. On retrouve Essilor, on peut aller chercher Valeo qui a également très bien fonctionné. Alcatel, enfin on en a un bon paquet, mais vous aussi vous allez pouvoir, si vous le souhaitez bien entendu, chercher des divergences sur d'autres marchés, sur d'autres unités de temps, puisque ça fonctionne aussi bien en intraday que pour des horizons d'investissement un petit peu plus longs, jours, semaines, et donc être capable de travailler les retournements de marché aussi facilement que ce que vous venez de voir à l'écran. Voilà, donc c'était pour la partie Wallmaster XE et je vais repasser la main à Mathieu pour la suite de ce webinaire. Ok, merci Romain. Donc je reprends la main là juste un instant, je vois les questions, donc notamment sur la partie de Thierry par rapport à la question CFD ou Turbo. Moi en fait dans mes alertes, si vous voulez, pour vous recadrer la chose, entre 2010 et 2013, donc j'étais évidemment déjà aux publications Agora, je gérais Agora CFD, donc là c'était des conseils directement sur CFD. Depuis l'été 2013, ça a été rebaptisé Agora Trading, et donc dans Agora Trading, donc pour tous ceux qui me suivaient en amont dans Agora CFD et qui traitent les CFD, j'ai conservé cette option, c'est-à-dire que dans mes alertes, par exemple, quand je recommande de vendre Sanofi, je recommande un turbo put, celui que je sélectionne, et il y a toujours également un lien vers la plateforme Saxo Bank avec qui j'ai travaillé donc pendant 3 ans, où je vous mets en fait des screenshots de la plateforme, enfin du ticket d'ordre afférent au sous-jacent que je recommande. Donc comme ça vous pouvez très bien le retrouver très facilement, donc dans le cas de Sanofi ou autre, ça, je pense que ça pose pas de problème. Maintenant quand on est sur du pétrole, sur de l'or ou qu'on a des contrats qui changent, ou même sur des small caps où des fois les codes mnémoniques sont pas tout à fait les mêmes, donc c'est souvent assez utile. Donc dans tous les cas il y a toujours des screenshots en CFD également.
Et donc votre autre question, je crois, où il y avait une question sur le nombre de recommandations, il n'y a absolument aucun critère. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je peux rien faire pendant 1 ou 2 semaines. Il y a des fois, je peux faire 3 alertes par jour. Enfin, il n'y a aucun critère. Après, en moyenne, je vous dirais, il y en a entre 10 et 15 par mois. Voilà, selon en fait ma conviction du moment et mon ressenti du marché. Donc voilà. On va repasser donc du coup à la dernière partie. Donc les actifs à suivre voilà, globalement pour ce dernier trimestre. Donc là, je vous ai fait un petit point sur l'or. Parce que je pense qu'on est voilà, à mon avis, une belle configuration. Donc pour mémoire, en fait, donc déjà 2 choses. Vous voyez, donc on a souvent des grosses phases de tergiversation, donc que ce soit moyen long terme. Là, c'est exactement le même principe. On a eu en fait en 2013, entre 2011 et 2013, on a eu des cours qui ont tergiversé entre 1550 et 1800. Et donc le jour où on a eu une cassure à la baisse de ce niveau, on a eu un effet boule de neige important avec d'importantes ventes stop qui se sont déclenchées, pardon, en rupture des 1520 1530 dollars. Alors pour l'anecdote, vu que vous me parliez de CFD, si on a ici certains d'entre vous qui me suivaient alors dans Agora CFD, on a joué ce breakout le jour du breakout, c'est-à-dire j'ai envoyé une alerte, je me souviens c'était le vendredi matin, on devait être dans les 1550-60 et j'ai dit vendez l'or, j'avais précisé pas la peine de mettre des trop gros montants parce que si ça doit y aller, ça va pas y aller de 15 ou 20 dollars. Et donc voilà, ça n'avait pas manqué. Je crois que le lundi matin, on était à 1400 et quelques. Enfin, ça c'était vraiment un des gros trades. On était en plus en gros levier, quelque chose comme 50. Donc, ça avait fait des gros gains très très rapides. Mais voilà. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Sur l'or aujourd'hui, en fait, on a un peu le même principe de configuration avec des bandes de Bollinger qui sont resserrées. Là, on n'est plus dans un range, on est dans un triangle descendant. Mais je vous invite à surveiller la zone des 1180 dollars parce que je pense que d'une part, enfin, il y a des chances à mon avis qu'elle soit cassée. Je pense que le jour où elle sera cassée, on va avoir ce même possible emballement. Alors, il y a 2 choses tout d'abord. Déjà, quand vous regardez sur la partie droite, vous avez le silver, donc l'argent, lui qui est un actif donc plus volatile et risqué que l'or, et donc l'argent est déjà sorti avec une accélération qui se met en place. Donc ça, historiquement, c'est quand même pas bon signe par rapport à l'or. C'est-à-dire généralement, quand on a des breakouts sur l'un, l'autre suit. Alors évidemment, là, dans le cas de l'or, en gros, je pense que c'est soit ça doit se reprendre tout de suite quasiment sur les. Enfin, ça fait une semaine ou deux que, pour tout vous dire, j'envisage un achat à 1215. Maintenant, vu la baisse de l'argent depuis, j'y ai pas été. Mais en gros, l'idée, c'est soit vous pouvez acheter dans les 1215. Mais alors avec un stop assez serré, donc si vous êtes en swing sur les 1180, mais surtout ne pas insister sous les 1180 comme sous les 18, 20, 30 sur le silver. Car là, si on passe en dessous, on va avoir un effet boule de neige qui va suivre. Et je pense que ça ira globalement pas loin des 1000 dollars. Donc ça, c'est une première chose à garder en tête pour le dernier trimestre. Deuxièmement, il y a la configuration sur le dollar yen. Donc le dollar yen, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est, peut-être vous le savez pas, mais c'est très corrélé avec le Nikkei. C'est-à-dire que c'est le même principe qu'avec l'euro dollar sur nos exportateurs comme Airbus. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez l'euro dollar qui baisse fortement, c'est bon pour nos exportateurs. Bah, ouais, en Asie, donc et à Tokyo notamment, là, en gros, quand on a eu un yen qui a fortement baissé. Donc quand l'yen baisse face au dollar, c'est le dollar qui monte et l'yen qui baisse. Et donc quand vous avez un yen qui baisse fortement, ça tire à la hausse le Nikkei mécaniquement. Là, le problème est, à mon avis, qu'on arrive sur un point haut sur le dollar yen, car vous voyez, en fait, on a une projection de Fibonacci, on arrive sur la zone des 110. Ça correspond à la fois donc à cette projection en hebdomadaire de cette jambe de hausse qui a été faite fin 2013, quand on la reporte donc depuis le point bas de l'été. Et ça correspond également, quand vous êtes en daily, enfin, pourquoi je pense que ça va s'essouffler dans cette zone-là.
c'est que vous avez voilà, des divergences sur les indicateurs. Alors pour tout vous dire, en fait, hier, le temps m'a un peu manqué, j'étais en train de préparer ce PowerPoint, mais hier, quand j'ai rédigé l'analyse, on était sur les 110 et ça commençait à faiblir. Alors voilà, c'était un des trucs que j'avais à l'œil, j'ai pas eu le temps de le mettre en place dans, dans le service, mais effectivement, là, vu le, la baisse, que ce soit à Wall Street hier ou également en Europe aujourd'hui, la baisse continue donc directement, mais c'est en tout cas une zone à suivre. Alors idéalement, si on, si on peut y revenir, parce que là, donc entre voilà, hier midi, quand j'ai rédigé ce, cette alerte, j'ai mis en focus cette paire, et voilà, et ce soir, bah, on a perdu voilà, pas loin de 200 pips, donc ce qui est quand même assez conséquent. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une chose qui, à mon avis, à suivre dans les prochaines semaines. Alors, dernièrement, il y a eu, on a la baisse du CAC. La question, je pense qu'il va peut-être vous intéresser, c'est qu'est-ce que je pense du CAC aujourd'hui. Donc là, moi, en fait, dernièrement, si vous me suivez dans Agora Trading, vous allez me le confirmer. En fait, ce qui me gênait, c'est que pendant 7 jours, on a eu un CAC qui est resté dans une zone de range alors que Wall Street baissait. Donc ça, c'était pas bon signe. C'est-à-dire que le CAC était plus fort que les marchés américains. Donc tout ça, ça s'explique avec l'effet dollar, l'euro dollar, donc qui va favoriser, qui favorise en fait les voilà les exportateurs en Europe. Donc quand on a eu un euro dollar à 1,40, c'était les États-Unis qui étaient favorisés. Là, avec un euro dollar qui revient dans les 1,25, 1,26, ça va être la situation inverse qui va se mettre en place. Et donc il y a probablement plus de chances que Wall Street baisse plus vite que le CAC. Donc là, moi en gros, là pour tout vous dire, je pense qu'on est sur une zone d'achat. Donc là, j'ai sorti le dernier put, comme je vous le disais, là, avant de venir. Là, j'ai plus de put et demain matin, en fait, il y a des, de fortes chances que j'achète une ou deux valeurs dans l'idée d'un rebond. Donc après, en fait, toujours quand on est dans des mouvements comme ça, il ne faut, faut pas forcément acheter n'importe quoi. C'est-à-dire que là, il faut, faut se poser la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fortement baissé? C'était les bancaires avec l'effet BCE. Donc ce n'est pas, à mon avis, les bancaires, parce qu'on a toujours un effet psychologique qui dure un petit peu quand on a voilà, la, un petit peu la surprise, enfin, ou la, la BCE qui ne répond pas forcément aux attentes. On a les bancaires qui à mon avis, vont de nouveau être dans le rouge demain. Maintenant, il y a d'autres segments qui, à mon avis, vont commencer, pourraient commencer à s'essouffler, donc notamment les cycliques et certaines valeurs dollar. On va avoir les, la saison des trimestrielles qui va commencer la semaine prochaine aux États-Unis et après ça va suivre en Europe. Mais en gros, je pense qu'on va avoir là dans les 15 jours qui viennent des opportunités d'achat donc sur certaines valeurs dollars, donc notamment Schneider. Pour vous parler que d'elle, on a, j'ai également ce que je surveille là pour tout vous dire ce soir, c'est une valeur comme Arcelor. Alors Arcelor, c'est la maison mère d'Aperam, Aperam que j'ai donc shorté vendredi dernier. Donc ça a bien baissé, ça baisse toujours en ligne droite. Aperam, ça va faire 9 ou 10 séances de baisse là ce soir avec une baisse de moins 3 ou moins 4 au fixing tout à l'heure. Je pense que si ça ouvre en baisse demain de quelque chose comme 1%, on sera probablement dans un dans une idée de rebond, et dans cette idée-là, on aura alors en fait toujours un très bon risk-reward, c'est-à-dire en gros, soit ça se reprend assez rapidement, soit il faudra pas insister. Mais je pense que voilà, on aura à mon avis de très bonnes conditions pour demain ou lundi. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, le, enfin, je verrais bien en fait Wall Street s'essouffler ce soir, donc avec un S&P 500 qui pourrait selon moi laisser une petite mèche dans, mes, dans les 1930 points. Et donc ça, à mon avis, ce sera à suivre ce soir, mais j'ai vraiment dans l'idée qu'on est, on est dans une zone d'achat plus qu'autre chose. Donc c'est en tout cas ce que je surveille. On va en terminer rapidement parce que c'est vrai que le temps nous manque. Donc en gros, pour vous faire une petite conclusion, dans mon service, il y a deux approches qui se rejoignent et qui sont très complémentaires. Donc oui, j'ai vu une question aussi sur le principe de l'onde de choc. Ouais, j'ai pas eu le temps de détailler, mais l'onde de choc, c'est quoi? C'est le principe, en fait, comme quand je vends à Peram, c'est qu'Arcelor est faible. C'est toujours d'avoir des pré-signaux dans, dans le secteur qui vont nous dire que tel ou tel mouvement va se
se mettre en place dans le cadre Veolia, je crois que ça a commencé à s'essouffler parce qu'on avait des warnings dans le secteur de l'environnement, notamment en France, avec Séchez Environnement qui venait d'émettre un profit warning, ou Suez Environnement qui baissait déjà. Donc on avait pas mal de concurrents de Veolia qui n'y allaient plus, et donc ça me faisait dire que Veolia avait peu de chances d'y aller tout seul, mais voilà, avec alors le CAC qui était dans les 4005, et je pensais qu'on allait baisser, donc tout ça m'a conduit à ces recommandations. Et en fait, c'est toujours un peu le même principe, vous avez toujours une logique sectorielle d'onde de choc, c'est le principe de retrouver des secteurs qui vont bouger dans un sens ou qui commencent à donner des signaux soit de reprise, soit d'essoufflement, et de chercher derrière quelle valeur, donc par exemple dans le cas de Veolia, quelle valeur est encore un peu haute ou n'a pas commencé à être amassée pour y aller. Dans le cadre, donc j'en reviens à mon service, donc dans le cadre du service, on a des alertes, c'est totalement interactif, donc moi j'envoie des mails tous les jours, des alertes quand j'ai des convictions, un mail tous les soirs, c'est-à-dire sur qui résume mon état d'esprit sur les marchés, ma vue, voilà ce que je pense globalement des marchés. Toutes les positions sont suivies jusqu'au débouclage. Les positions sont, moi aussi je les prends en réel à 99%, donc dans le cas de Sanofi, tout vous dire, j'étais content de récupérer les euros que j'avais perdus, que j'avais en moins value l'attente hier soir encore. La communication, c'est quelque chose d'essentiel parce que voilà, on peut pas tout, je peux pas vous dire, j'étais pas dans le cas par exemple du CAC, j'étais pas convaincu. Enfin, la force relative du CAC dernièrement me faisait un peu peur. Donc voilà, je pensais qu'il y avait un risque de baisse vu les US. Maintenant, j'étais pas non plus convaincu qu'on aurait une grosse baisse, d'où le fait que je l'ai pas plus joué que ça. Donc dans tous les cas, alors après y a des fois où quand je suis convaincu ça paye, mais l'important en fait c'est que vous savez toujours ce que moi je pense, et voilà, je mets vraiment un point d'honneur à voilà toujours être transparent. Pour tout vous dire, toutes les positions sont suivies. Donc là, c'est dans le cas, par exemple, j'avais recommandé un put sur S&P 500 avant l'été. J'ai conseillé de l'alléger début août. Je prenais alors quelques jours et semaines de vacances. Donc put que moi aussi j'ai en perso. Et donc voilà. Et donc, enfin, tout ça pour vous dire que les positions que je prends, que je recommande, je les prends, et que quand vous dormez mal la nuit sur des moins-values latentes, moi aussi ça me travaille maintenant quand on a des beaux gains. Voilà, c'est dans les deux sens. Donc on a des alertes en séance. Alors attendez, je sais pas si on va peut-être pouvoir les afficher, je sais pas si ça s'affiche, mais voilà l'exemple d'alerte, voilà la forme que ça peut avoir, avec une explication sur le sous-jacent, des liens avec les graphiques en question, un document toutes les semaines. Vous avez un document hebdomadaire, je vous envoie ça, donc c'est un PDF d'une quinzaine de pages qui vous retrace, qui vous raconte un petit peu ce que je pense du marché en introduction, ou ce qui me semble important à retenir, et voilà, un tour des différents actifs et de ce qu'on peut avoir en portefeuille. Alors après, vous avez donc le détail de mes performances, donc là je ne vais pas tout vous afficher, voilà, vous les retrouvez. De toute façon, en fait, dans tous les cas, elles sont toujours affichées sur mon site internet, c'est-à-dire que si vous essayez ou si vous testez mon service, alors ce qui est intéressant, on va y venir juste après, c'est que vous allez avoir une offre de test qui vous sera envoyée demain, donc vous pourrez tester, vous rendre compte en réel de ce qui se passe. Donc ce qui est assez intéressant à mon avis, enfin, voilà, ça en engage que moi, mais demain, vu le contexte de marché, vu que je suis assez chaud dans l'idée d'un achat, je pense que ça vaut le coup d'essayer le service demain ou en début de semaine prochaine. Donc après, libre à vous. Ce qui est intéressant, c'est la régularité des performances, c'est-à-dire quand vous avez mes archives en fait dans le document là, en fait dans le service, il y a ce qu'on appelle un petit pack, c'est-à-dire un document qui vous présente un petit peu comment je travaille, mes principes, et vous avez en fait l'intégralité de mes trades trimestre par trimestre depuis 2010. Donc vous pouvez retrouver tous les trades, je vous laisserai vérifier tout ça, mais vous pouvez retrouver tous mes trades, tous les trades que j'ai pu recommander, donc sont affichés
affichée en totale transparence. Et donc voilà, je pense que s'il y en a qui me suivent depuis 2010, voire avant, vous confirmeront qu'on gagne de l'argent. Également, donc, il y a une option qui s'appelle 100% CAC, où là, on est en intraday, cette fois en CFD, en levier 100. Donc là, c'est des prises de position évidemment plus risquées, plus courtes, mais là aussi les stats sont assez bonnes. Bon, je vous laisse, enfin, de toute façon, vous pouvez regarder, retrouver tout ça sur le site internet, mais vous voyez, c'est assez intéressant avec des gains de 100% qui sont quand même assez fréquents, et à l'inverse, vous voyez des pertes qui sont très, très faibles en proportion. On parle de 20-30% dans les plus grosses, voire 40%, mais rarement plus. Donc là, on est exactement dans l'application du on a un risk reward de 2 ou 3, voire 4 ou 5 dans le cas de l'option CAC. Dernier point, donc voilà ce que je vous disais, si vous avez suivi ce webinaire, vous allez recevoir un petit mail, je vais vous envoyer un petit mail rapide demain midi avec une petite offre pour essayer mes conseils. Voilà, donc je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça demain midi dans votre boîte, mais voilà, je vous dis sûrement à très vite. Je repasse la main à Romain. Merci en tout cas Mathieu pour tous ces éclairages. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir effectivement associer d'un côté les conseils de votre analyse technique pour avoir eh bien, une analyse pertinente et discrétionnaire du marché, effectivement des conseils qui vous sont donnés directement, mais aussi de pouvoir les comprendre via votre outil d'aide à la décision, donc Wallmaster XE, qui est parfaitement adapté, et là je réponds à toutes les questions, quel que soit votre niveau en analyse technique, puisque tout est expliqué. Quand vous passez votre souris sur un signal, il y a toujours une petite bulle qui vous explique les choses, donc il est vraiment d'une facilité extrême. Et oui, vous allez pouvoir travailler avec votre Wallmaster sur tous les marchés, que vous soyez actif sur le CAC, sur le Forex, sur les futurs, sur les CFD qui reproduisent l'évolution des sous-jacents, que vous fassiez de l'intraday ou de l'investissement moyen long terme, vous allez pouvoir travailler votre Wallmaster XE. Donc c'était une question tout à l'heure de Laurent, je crois. Peut-on intervenir sur tous les marchés? Vous avez l'ensemble des marchés mondiaux. Dès qu'une valeur s'échange aujourd'hui en bourse, vous allez pouvoir l'analyser à travers votre Wallmaster. Donc équipez-vous. Walldata fait également une offre pour tous les participants à ce webinaire qui n'ont pas encore la chance de posséder Wallmaster XE. Vous avez une offre qui vous est réservée. Donc si vous souhaitez connaître les conditions d'acquisition de votre outil, eh bien, vous pouvez nous contacter dès ce soir au 01 58 71 21 99. Voilà, il y a une offre, je crois, qui est aussi proposée avec Agora. Donc, contactez-nous pour plus d'informations. J'espère que ce webinaire vous a plu. En tout cas, toute l'équipe Walltrade Institute, Walldata et d'Agora. Oui, merci à tous. Vous souhaite une excellente soirée. Nous vous remercions de votre temps. Le webinaire est enregistré, donc vous le retrouverez à partir de demain après-midi sur le site de Walldata. Et puis, encore une fois, vous pouvez nous contacter juste après. Nous sommes là jusqu'à 20h, 20h30 pour toutes les questions que vous n'avez pas pu nous poser ce soir. Donc, merci à tous. Mathieu, merci pour votre présence. Et puis, à très vite, je l'espère. En général, les fréquences de ces webinaires, c'est à peu près un par trimestre, voilà, logiquement. Donc, on vous retrouvera dans 3 mois. Voilà, bref. En tout cas, bonne soirée à tous et merci. Au revoir.